sort là, toi tu vis où d'abord? Quand il sort là, ta vie est menacée et puis ils vont donner lui, là, des armes de l'AES. Laisse-le déjà parler. Puis, attendez. Ça c'est AES, l'AG. Laisse, on va l'écouter. Il faut lui répondre, ta vie est menacée et puis on doit envoyer des militaires à ton quartier aller sécuriser ta vie. Mais pourquoi il prend les armes à les militaires? Mais quel militaire il a pris les armes? Dis quoi même? On dit ils ont saisi l'AGI, c'est la mentalité AES, ça n'a pas sa part dans le débat. Parlez les gars, attendez, laissez-le parler. Peut-être que les gens lui ont donné une fausse. Moi, tu n'as pas répondu à ma question, hein. Attendez les gars. On lui a peut-être donné une fausse information. Si nous, on ne lui donne pas la vraie information, il va aller à gauche, à droite. Vous comprenez? Laissez-lui d'abord parler. On va maintenant l'écouter. Mon frère, qui t'a dit qu'ils ont pris les armes avec les militaires? Qui t'a dit ça? Je l'ai entendu ça dans un panel. Ah, d'accord. Vous voyez, non? Il a entendu ça dans un panel. C'est pas parce que ce qu'il dit, il croit ou c'est vrai ou c'est faux. Il est venu, il a posé la question. Alors, tout à vous, Ben. Hassan, pardon, tu peux voir ton micro? Voilà. Ok, merci beaucoup. Pour ta gouverne, c'est les débats des graines, c'est des mensonges. On a une opposition qui est là, qui dit qu'ils sont associés avec l'AES et que les militaires qui ont défilé pendant la fête de l'indépendance et que ces armes, ils ont été louées. Certains viennent vous dire que ces armes-là, Ouattara les a arrachées, donc ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est vous, ils veulent instrumentaliser, vous tromper, à descendre dans les rues pour aller saccager les biens. Ou faire croire que des militaires de l'AES peuvent venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est archi faux. Déjà, dans l'armée, il y a un général qui est là. Ils ont leur chef qui est là. C'est lui qui doit leur dire comment est-ce que si le pays est attaqué, comment ils doivent réagir. Maintenant, au niveau de la police, quand il y a des manifestations, c'est la police qui doit encadrer, dont le président de la République. Quand l'armée est composée, elle a son ministre et tout, ce qu'ils ont besoin là, lui donne aux militaires, c'est à eux de s'en servir en cas si le pays est attaqué. Mais comment lui va prendre les armes là pour garder et puis va laisser son pays comme ça? Tout le monde peut venir attaquer le pays. C'est-à-dire que les citoyens même ne sont pas en sécurité. Toi, les armes qui permettent de bien surveiller ton pays, de bien garder ton pays, parce que les ennemis sont partout. Les ennemis peuvent venir de partout. Maintenant, si toi tu prends les armes pour garder et le jour où on attaque ton pays, tu fais comment? Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Si on attaque ton pays là, tu fais comment? De toi à moi, tu vas faire comment? Si toi tu prends les armes pour garder et que l'ennemi est déjà là, il est sur le point d'agir. Maintenant, c'est quel temps toi maintenant tu apprends pour aller chercher les armes pour venir donner pour que tes gens elles, se battent parce que l'ennemi est déjà là? Mais c'est déjà trop tard, ils vont faire beaucoup de morts. Tu comprends ce qu'il veut dire, non? Non, c'est des mensonges, des ragots qu'ils racontent. C'est une manière de galvaniser certains ennemis à pouvoir attaquer soit le pays, ou c'est une manière de galvaniser leurs troupes pour sortir, pour semer le désordre. Donc, ceux qui le disent, ils le font à dessein, mon frère. Donc, le président Ouattara n'a pas pris d'armes. Je ne sais même pas, il a pris armes avec qui pour garder. Non, les armes sont déjà dans une poudrière. Et elle est commandée, elle est dirigée, ils ont leurs troupes et tout. Voilà un peu ce que je voulais te dire, mon frère. Donc, la personne qui t'a dit ça, tu as attendu ça sur quel panel? C'était un panel de l'AES, là. Oui. C'est bon, je ne sais pas le nom, c'était quoi. Vraiment, ça fait au moins une semaine comme ça, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un panel de l'AES. D'accord. Donc, ils vous ont menti, ils ne vous ont pas dit la vérité. Désormais, si tu montes là-bas, quand tu dis quoi, tu as pris les armes, il faut leur poser la question. Il a pris armes là avec qui? Vous pouvez nous montrer un peu de vidéo où Ouattara est en train de faire une cérémonie pour arracher les armes pour aller garder chez lui à la maison. Tu comprends? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Il faut faire très attention à ce genre d'informations. Voilà. C'est parce que certains gens de notre opposition qui font semblant avec l'AES aujourd'hui qui les soutient, c'est eux qui veulent un peu distraire les militaires. En fait, leur communication s'est faite à dessein. Je te prends un exemple. Quand nos 49 soldats ont été arrêtés, les mêmes gars de l'opposition, dans l'intention de faire un soulèvement populaire ou de révolte des militaires contre le régime, ils ont fait croire que l'État de Côte d'Ivoire envoie des militaires en mission en tant que des mercenaires et qu'ils ont été pris la main dans le sac.
Tout ça, c'est-à-dire que les militaires qui sont en Côte d'Ivoire se fâchent pour dire, mais nous, le président, là, il est méchant. Il nous envoie même pas dans des missions officielles. Il nous envoie dans des missions où on est mercenaires, puis on nous a arrêtés. Donc, nous tous, on sera arrêtés comme ça. Ils font ces genres de débats, d'intox, pour pouvoir se révolter les militaires. Deuxièmement, il y a eu des communiqués qu'ils ont fait. Ah, la CPI arrive. Ils vont arrêter les militaires et vont les envoyer à la CPI. Donc, tout ça, c'était de révolter l'armée. Ça, ça fait partie de la stratégie de Guillaume Soro. Maintenant, si vous êtes de l'AES qui vous donne ce genre d'informations, c'est archi faux. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais te répondre. Faut pas croire à tous les ragots qu'ils racontent. C'est pourquoi quand moi, on me dit quelque chose, je prends la peine d'aller fouiller moi-même. Je m'en vais regarder, je fouille jusqu'à quand je trouve la vérité. Si vous avez ce genre de trucs, allez-y sur YouTube ou bien Facebook ou bien sur Twitter, allez-y chercher l'information si elle est vraie. Tu comprends? Ok. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, vous avez vu, le gars était venu dans l'intention de comprendre et non de venir affirmer quelque chose. Si nous, vous avez vu, il est parti tout seul. Il est parti. Donc, si on ne l'écoute pas, si on ne lui donne pas la vraie information, le gars ne saura même pas de quoi il parle. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Que le PPACI et l'opposition vous disent qu'ils ont l'AES à eux aujourd'hui. Et ils font croire à notre armée que lorsque eux vont commencer les mêmes bruits, les mêmes manifestations, pourquoi ils vous disent de sortir quand ils vont sortir? Qu'ils soient une centaine ou cinquantaine lorsqu'ils vont lancer le mot d'ordre. C'est parce que si vous les laissez le terrain, ils ont l'impression, ou peut-être même ils ont des gars de l'AES avec eux pour gonfler le nom, pour créer un rapport de force. Maintenant, si cela vient trouver que vous êtes dans la rue à eux là, ça va les faire reculer. Même s'ils ont des mercenaires qui sont entrés de façon illégale sur nos territoires, ne pourront pas agir. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas rester chez vous. Le jour où les voyez sortir, sortez. Ils ne vont pas venir casser vos magasins, tous vos biens. Voilà. Et c'est une information qui est très, très importante. Ne jouez pas avec ça. Et c'est ce qui met dans la tête des gens. On a l'AES avec nous aujourd'hui, on a tout. Voilà. Choba, tu voulais réagir suite à la sortie de ce jeune homme? Comme toi, tu es spécialiste de l'AES. Les gens disent que l'AES est associé à eux. Ils vont faire tomber. Choba. Oh oui. Bonsoir, Ladji. Bonsoir. Ah, Babou l'a dit, hein, il a fait la part belle à l'AES. Hein, faut pas jouer. Il a dit bonsoir, que s'il est élu, bonsoir, il dit si lui est élu, il va travailler avec tous les poutis, ils vont aller dans l'AES. Même toi-même, tu ne pourras pas t'exprimer sur les panels. Hein. Si tu as attrapé la main. Donc, bonjour au peuple de Facebook, aux auditeurs de Facebook et à ceux de TikTok. Alors, quand on va chercher un défenseur, on cherche quelqu'un qui est plus fort que celui contre qui on veut se battre. Voilà. Je crois que il se trompe de gros bras. Et connaissant la Côte d'Ivoire, la sociologie de la population, je vois mal des populations de l'AES qui vivent en Côte d'Ivoire se joindre aux voyous que quoi Justin est en train d'appeler à la rue. Parce que les véhicules qui ont été brûlés, là, qui seront brûlés, puisque eux, ils s'attaquent aux biens privés. Il y a déjà de l'AES qui sont dans le transport aussi. C'est pas que des militants supposés du RHDP qui ont des véhicules, qui ont des biens privés. Il y a déjà de l'AES. Les magasins qu'ils cassent là. Il y a des gens de l'AES qui ont des magasins. Ça, ce n'est un secret pour personne. Donc, quand ces gens rêvent, il faut les laisser dans leurs rêves. Voilà. Je ne vois pas aussi le pays de l'AES qui va laisser son problème et puis venir aider M. Gbagbo à devenir président. Il faut arrêter de rêver. Et il prenait 20 millions à Blaise Compaoré. Pendant 20 ans, attends, il y a le bois, mon tchapalo d'abord. Quand il est devenu président, alors, il lui a fait la passe. Non, on va continuer, hein, je vais voir mon tchapalo. Est-ce qu'il était le meilleur ami du Burkina? Les Burkinabés qui vivent ici, en Côte d'Ivoire, savent qui est Gbagbo. Voilà, ce sont ceux qui sont sur TikTok
et sur tous les autres réseaux sociaux qui ne savent, qui ne connaissent pas Gbagbo, puisqu'ils ne l'ont pas pratiqué. Mais ceux qui vivent ici avec nous, là, ils connaissent Gbagbo. Voilà. Donc, si Gbagbo est reconnaissant ou non, ils le connaissent très bien. Donc, il y a un intervenant qui disait tout à l'heure que ceux qui sont arrêtés, il faut les laisser purger leur peine jusqu'au bout. Il n'a pas tort. Il y a cette forme d'impunité qui ne dit pas son nom. Après des manifestations comme ça, après qu'ils aient cassé des biens publics et privés, alors on a quand même remarqué qu'ils ont profité de trop de décisions d'amnistie. C'est ce qui fait qu'ils se disent que s'ils vont en prison, c'est pour quelques semaines et puis ressortir. Voilà, si parce que le président Ouattara ne traite pas ses opposants comme Gbagbo le faisait pour les comme Gbagbo le faisait, la prison était quand même un luxe sous Gbagbo. Et il donnait l'impression qu'il était débordé alors que les ordres venaient de lui. Quand les Français ont cassé ces vieux avions soviétiques et qu'ils sont sortis avec le fameux slogan à chacun son français. Monsieur, voilà, fermez votre micro. Aïe, c'est désagréable. Fermez votre micro, monsieur Chef Kone. Chef Kone, fermez votre micro. Qui est le modérateur? Il n'y a pas de modérateur pour fermer son micro. Oui, là, dit c'est lui. Hein? Voilà, c'est moi qui ai la parole. Alors, c'était la chasse aux Français dans les rues d'Abidjan. Des gens qui vivent paisiblement dans notre pays. Et il y a certains même qui ne font pas de politique. C'est comme ça. Chez Gbagbo, la responsabilité est collective. Si tu as affaire à lui, c'est ta communauté qui a affaire à lui. Alors, donc quand il va lancer par l'intermédiaire d'une tête brûlée comme quoi Justin, son appel à la désobéissance civile, les taxis qu'ils vont brûler, les guacas qu'ils vont brûler comme ils ont l'habitude de le faire depuis 30 ans, mais il y a certains qui appartiennent à des gens, des ressortissants de l'AES. Alors, je vois mal des ressortissants de l'AES vivant en Côte d'Ivoire se joindre à des voyous pour brûler eux-mêmes leurs biens, pour brûler eux-mêmes leur magasin. Voilà, donc je reviens sur ce que l'intervenant de tout à l'heure disait. Alors, celui qui est arrêté et qui est jugé, il devra purger sa peine. Parce que ces gens aiment le mot réconciliation, mais ils n'ont jamais fait un geste envers ce qu'ils appellent réconciliation. Je n'ai jamais vu l'un des membres du PPACI tenir des propos réconciliants, des propos de réconciliation, jamais. Ils parlent toujours avec un couteau entre les dents. Le 6 va devenir 9. Si Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est ce langage de la violence qui a fait que Gbagbo n'a pas eu d'électorat en Côte d'Ivoire. Parce que il ne sait pas parler aux gens. Pour lui, tout est question de muscles. Alors que c'est le cerveau qui doit travailler. C'est pour ça, toute sa carrière politique, il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait du FPI une machine qui gagne des élections, qui séduit les Ivoiriens. Tout est force. Donc, avec lui, il faut utiliser la force. Voilà. Quand ils vont sortir, quand ils vont faire les dégâts, il y aura des arrestations. Mais le plus important, il faut prévenir tout ça. Il faut éviter que le pire arrive. Ceux qui lancent ce type de discours, comme le sieur Kouai Justin, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter déjà.
Voilà. Au moins, on va épargner des vies. Parce que tel qu'ils reçoivent des ordres qui viennent de Paris, des organes officiels du PPAC installés outre, installés installés en Europe, ils vont mettre ça à exécution. Donc, les relais internes doivent être arrêtés pour nous éviter d'autres bains de sang. Du sang a trop coulé depuis 30 ans. Avec Gbagbo, le sang ne fait que couler. Le sang ne fait que couler. Il n'a jamais perdu un membre de sa famille, ni un proche. C'est pour ça qu'il persiste ici. Combien de fois n'est-il pas allé en prison avec femme et enfant? Mais qui lui a enlevé un seul cheveu? Rien. C'est pour ça qu'il continue de jouer les durs. Alors donc, pendant qu'il est temps, il faut arrêter ceux qui jettent l'huile sur le feu. Oui. Il peut te faire une motion? Oui, oui. Merci beaucoup pour la motion. En fait, la stratégie, c'est quoi? Je t'explique. Tout ce qui peut amener des gens à sortir, il faut d'abord commencer par une stratégie. La première stratégie, comme ils l'ont fait en 2020, eux tous, ils ont commencé d'abord à dire que cette réunion n'est pas crédible. Certains ont dit qu'elle allait brûler la Côte d'Ivoire. Certains ont dit on ne va pas s'asseoir, regarder Alassane Ouattara, à lui porter Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays. Georges Aka encore, il dit que eux vont tout faire pour amener ce problème à un problème ethnique. C'est qu'ils avaient déjà préparé la stratégie. Bon, j'ai une contre-motion pour toi. Cette vidéo-là, pardon, si tu peux la jouer, ça serait intéressant. Quelle? Si tu l'as encore, il faut la jouer. Quelle? De Georges Aka? Voilà, du fameux, du sombre Georges Aka. Voilà. Et donc? C'était sur un plateau de télé, je me souviens. Oui. Voilà. En ce moment-là, le président n'avait même pas encore parlé de sa candidature. Donc, ils avaient déjà minutieusement préparé tout, comme de la manière qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Là. Et donc, c'est ce qui m'amène à comprendre qu'ils ne vont pas aller aux élections. Première stratégie, ils commencent d'abord sur la CEI. Il y a une femme qui a 1000 enfants, il y a des morts qui votent, il y a de la liste n'est pas crédible, il faut l'auditer. Et Guikaoué est même allé loin. Quand ils sont allés porter leur plainte à la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, ils ont dit, nous, on ne peut pas décider pour une loi qui a été déjà promulguée par une nation. Et d'ailleurs, les critères même montrent que les nominations sont bien faites et qu'il n'y a pas de troubles. Guikaoué a dit que ce n'est pas rentré dans le rêve de sous. Donc, il fallait créer troubles pour que cette souris ne soit pas là. Et c'est quand le candidat choisi par le parti est décédé qu'ils ont changé, ils ont laissé affaire des souris. Ouattara avait fait 4e mandat, 3e mandat. Et voilà comment le combat est parti. Tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, Coulibaly les a appelés au contentieux, de venir dénoncer. Coulibaly dit, sur combien de bureaux qui sont ouverts aujourd'hui, ils ne se bousculent pas. Pourtant, ils ont tous critiqué pour dire que les 1 mois étaient longs pour l'enrôlement. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Hein. Ils sont en train de vous dire qu'ils n'auront pas aux élections. Donc, après avoir fini de préparer tous ces ingrédients, ils vont changer maintenant la stratégie pour sortir dans les rues, comme ils l'ont fait en 2020, c'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer. Et donc, je te jure, Georges Aka, au risque de répéter, tout ça, c'était dans l'alignement de dénigrer la CEI. Je te fais écouter, Georges Aka. Je te montre, j'ai tourné ma caméra. Il a dit, il n'a pas caché. Ils ne l'ont pas caché. Et donc, quand vous voyez quoi, Justin dit que cette CEI-là ne va même pas organiser les élections, que Kubien ne serait pas là. Il le dit, hein, que Kubien ne serait pas là. Tout ça, c'est des alibis. Je ne suis pas dans une logique d'écoute et de discussion. Bien entendu, nous allons commettre le risque d'étendre ce conflit au niveau des ethnies. Je ne suis pas dans une logique d'écoute et de discussion. Bien entendu, nous allons commettre le risque d'étendre ce conflit au niveau des ethnies. Maintenant, tu vois, non? Et maintenant, dans leur nouvelle stratégie, c'est-à-dire les têtes qui ont changé pour mener le combat, c'est Bédier qui n'est pas là. Donc, c'est Gbagbo qui prend le rôle de Bédier maintenant.
ils savent tous que depuis 2020, Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Ils le savent tous qu'il a été inculpé par le procureur M. Kofi Simplice avant son extradition. Ils le savent tous que Gbagbo s'est fait représenter par un avocat dont eux-mêmes ils refusent d'aller porter plainte contre cet avocat-là. Ils le savent. Mais pourquoi s'attaquer à la CEI? Pourquoi dénigrer, salir la CEI? C'est pour trouver les alibis comme ils l'ont fait en 2020. Et Afinguessan aussi l'a dit ici. Il a dit, il n'a pas caché. Afinguessan est là. Ils l'ont dit en 2020. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en 2025. Là. Ils ne vont pas aller aux élections. Ils vous trompent. Des gens qui ont saccagé les machines pour l'enrôlement. Hein? Des gens qui ont tout dit dans ce pays. Voilà pour Afinguessan. Les élections sont faites de façon transparente, avec une CEI qui inspire confiance à tous. Avec une CEI qui inspire confiance à tous. Où nous serons tous dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Bon comme président de la République. Mais nous n'assisterons pas impassibles comme des moutons et laisser Alassane Ouattara avait installé frauduleusement Madou Bon comme président de la ville de Gabon. Voilà. Et c'est ce que Justin dit. Il n'y aura pas d'élection. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il y a 80 morts, il y a 10 morts. Et vous, vous savez tout ça. Ils sont en train de vous dire, mais ils ne se cachent pas. Et vous allez vous asseoir pour les attendre. Ils vont aller brûler vos biens, tout. Combien de personnes ont été indemnisées après les trucs de 2020? Combien? Et puis, pour conclure, en 2020, n'oubliez pas, hein, tous les bruits qu'ils font là, il y a eu 87 personnes qui sont parties au total. L'opposition a tous les bavardages qu'ils ont fait. Ils n'ont enterré que 14 personnes. Faites 14 moins 87. Vous allez voir que tous ceux qui ont déjà, pendant la désobéissance civile, c'était les militants du RHDP et des gens qui ne sont pas concernés par la politique. Et c'est ce que je vais éviter. Parce que, comme Tomba le dit, Gbagbo s'en fout, hein. La vie humaine ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui a pu sacrifier des gens en 2004, j'ai les victimes là, ils sont là. De novembre 2004, ils se sont exprimés. Eux aujourd'hui là, est-ce que eux, je peux écouter Gbagbo? Donc nous, nos messages, c'est d'étendre nos messages très loin. Dis aux gens, tu es assis dans le grain, tu bois ton premier là. Au moins, tu veux boire deuxième, faut t'apprêter. Tu bois troisième. Au moins, tu veux boire quatrième, faut t'apprêter. Chose que vous ne remarquez pas, quand ils viennent dénoncer leur stratégie et leur message codé, ils viennent beaucoup. Est-ce que d'habitude, là, on se limite à combien? À 2h du matin, 500, 400 personnes. Pourquoi on est 700? Il y a plein de cachets regardés. Il y a plein qui écoutent. Ils savent que moi, j'ai toutes les vidéos. Des gens du côté de Soro, mais sont allés se coucher auprès de qui? Des gars, leur demander pardon. Que Ouattara soit candidat ou pas, on doit les chasser. Donc, c'était préparé. Et c'est en cela que moi, ils sont en train de vous parler. Oh. C'est tout. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas dans une logique d'élection. Quelqu'un qui est dans une logique d'élection, ça va se sentir par ce qu'il dit à ses militants. Merci beaucoup. Mais on n'a jamais dit à ses militants d'aller s'en Il n'a jamais dit à appeler ses militants à s'enrôler, non. C'est le langage guéri. Voilà. Voilà. Et ça n'a jamais. Après 90, Gbagbo a su que lui ne peut pas arriver au pouvoir par des élections. C'est clair. Il a su qu'il ne peut pas devenir président suite à des élections. Donc, c'est par la force. Et c'est ce qu'il a utilisé contre Gay. Paix à son âme, qui a été vraiment naïf. Effectivement. Naïf, voilà. Hein. Donc, c'est clair. Gbagbo n'est pas dans une logique d'élection. Tous les problèmes se règlent par la force et il a tout eu par la force. Donc, il ne croit pas à des élections, il ne croit. C'est à la force que Gbagbo croit. Donc, il faut lui opposer la force, c'est tout. Il faut lui opposer la force, rien d'autre. Voilà. Il faut lui opposer la force. Aujourd'hui, il a peur. À cause de son âge et puis et certainement son état de santé.
Maintenant, ses plus proches ont reçu peur. Kone Katina ne veut pas aller en prison. En tout cas. Voilà. Et Hubert Oulahi, qui a aussi pris des lives, ne veut pas aller en prison. Et puis, il y a qui d'autre? Celui qui a déchiré les résultats. Voilà. Tout cela, il ne veut pas aller en prison. C'est pour ça qu'ils envoient une tête brûlée comme quoi, Justin, pour appeler à la manifestation. Mais quand même, cette voie n'ira pas trop loin. Parce que ils n'ont pas la télévision. Et à partir des réseaux sociaux, ils vont regrouper des gens. Mais ce quoi, Justin, il faut l'arrêter pour lui demander des comptes. Là, il ne faut pas attendre que le pire arrive avant de... Il faut être dans la prévention. Voilà, parce qu'on a plus besoin... Ils n'ont qu'à laisser d'abord, ils vont dévoiler ce qu'ils écrivent. Oui, parce que ce n'est pas le seul meeting. Il va certainement faire une tournée dans Abidjan. Voilà, il va aller dans d'autres communes. Donc, il faut être dans la prévention pour nous éviter des drames. Hein, pour nous éviter d'autres drames. Parce que je suis sûr qu'avec ce type de discours, les gens vont commencer à quitter Abidjan à la veille des élections. Peut-être même à cause de ça, mais les gens ne vont pas s'enrôler. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour merci te beaucoup. Permettre de donner la parole à quelqu'un. Merci, merci. C'est Prado, voilà. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'ils comptent sur les AES parce qu'ils sont déjà affaiblis. Voilà, ces pays sont affaiblis, leurs armées sont épuisées par une guerre meurtrière. Et comme un naufragé, il s'accroche à tout. En tout cas, il s'approche. Donc, on rêve maintenant que c'est l'armée, ce sont les armées de l'AES qui vont venir l'installer. Voilà. En tout cas, il voudrait pas ça. Hein? Voilà, heureusement, Dieu merci, le PDC n'a pas encore montré qu'il est avec lui. Voilà, il est seul dans cette désobéissance civile. Et Dieu merci, elle sera moins étendue et plus contrôlable. Merci. Voilà, merci Ladji. Merci beaucoup, merci. Merci. Et Douamé, on va aller avec Douamé. Après, il y a Cheikh, il y a Bakélé, il y a Karim, il y a M. Abou Bamba. Salam, salam, mon frère Ali, Ladji. Salam, Douamé. Comment ça va? Notre champion. Vraiment, Ladji, tu fais la fierté. Tu fais la fierté des Ivoiriens. Des alassanistes. D'abord, je voulais remercier Tchomba et m'excuser parce que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ce n'est pas de coutume de quand même dire des choses devant des doyens. Peut-être que bon, il avait souhaité qu'on aille à l'apaisement. Bon. Mais l'heure n'est plus à l'apaisement. Il faut qu'il nous excuse pour les paroles qu'on va peut-être dire, vraiment qu'il nous excuse. Malgré qu'il est notre djondje, mais bon, on va avec. Là, je peux te dire que nous sommes prêts. Depuis ce que, quand tu as lancé, nous sommes prêts. Et la nouvelle méthode qu'on a adoptée actuellement à Port-Beaudieu, parce que tous les centres d'enrôlement qu'ils ont mis, on a essayé de mettre tous nos gars un peu. Parce que on est en train d'entendre qu'ils veulent déstabiliser, ils veulent venir faire quelque chose. Ceux qui quittent vers Nyangon pour venir chaque fois, depuis hier matin, on voit des petits jeunes qui sont en train de s'affoler un peu. Donc on a créé un petit groupe pour surveiller un peu les zones. Les zones ils veulent cafouiller le bureau là-bas. Voilà, ils veulent cafouiller déjà. Ils veulent commencer à faire ça. Mais comme ils ont compris qu'on a déjà lancé un peu dans les carrefours, on s'apprête un peu. Ceux qui ne travaillent pas, par exemple, les jeunes chauffeurs de Warhol qui doivent monter peut-être à 14 heures, ils tournent un peu. Et ceux qui descendent là, avant d'aller au café, on tourne un peu dans les environs pour ne pas aller rapidement à la maison. Et à 22 heures, ceux qui finissent, les chauffeurs de bois qui finissent, eux tournent aussi dans le quartier pour voir un peu ce qu'ils veulent faire. Donc voilà un peu la stratégie que nous sommes. Donc si tu peux lancer encore ça aussi pour que les jeunes n'ont qu'à s'apprêter sur les zones d'enrôlement à Ouassakara, déjà c'est eux-mêmes qui nous ont avertis déjà. Donc à Bobo aussi ils ont commencé. Donc voilà un peu leur petite stratégie. Je sors un peu pour te dire un peu leur stratégie qu'ils ont commencé à... Voilà. Donc, ils veulent saccager les centres. Mais, comme ils voient que déjà, on est déjà prêt,
tu as lancé le message. Ils ont compris que vraiment, ceux-là, ils sont plus prêts pour nous. Donc, vraiment, merci pour ta mobilisation. Les gars, je vais répéter le message du frère que je ne vais pas négliger. J'ai remis la partie, je vais garder. Ok. D'où Amère vient de nous informer qu'après tant de messages lancés par l'opposition, d'où Amère vient ton micro. Motion. Tapotez, s'il vous plaît, le live est attaqué. Tapotez. Bon, là, je vais descendre pour tapoter. Hein. D'accord, vas-y, tapote. Tapotez fort. Alors, vous venez d'écouter, non? Et Dieu merci que mon message est passé. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours de cela, les mêmes opposants là étaient en train de dire quoi? Que la CEI ne veut pas faire l'entrée. On te prend rapidement, comme tu descends vite là. On te prend rapidement. Alors, mon message ici, c'est quoi? Ne vous attaquez à personne, mais soyez prêts et surveillez les trucs. Si les gens-là, ils étaient inscrits à aller aux élections, vous allez voir qu'ils allaient envahir les centres d'enrôlement. N'est-ce pas les mêmes qui ont dit ici que un mois est peu pour les enrôlements sur la liste électorale? C'est pas eux. Mais aujourd'hui, tous les centres, les bureaux d'enrôlement sont ouverts aujourd'hui. On les appelle à aller s'enrôler. Soudain, brusquement, les militants ne vont pas s'enrôler. Pourquoi? Je vais vous dire. Ils ne vont pas s'enrôler parce qu'ils ont déjà préparé leur stratégie. Sinon, si c'est pour gagner une élection, normalement même là, ils doivent envahir les bureaux d'enrôlement, les centres d'enrôlement. À telle enseigne, qu'après les un mois, nous-mêmes, activistes RHDP, nous serons les premiers à demander au gouvernement et à la CEI de prolonger l'enrôlement sur la liste électorale. Où en prenez? Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont l'intention d'aller saccager les bureaux d'enrôlement comme ils l'ont fait d'après Douamé. Douamé dit que eux, dans leur secteur, ils ont eu des informations des jeunes de Niamo parce que, quoi Justin a dit, hein? Et Gervais Tiédé l'a répété, qu'ils vont faire des tournées de sensibilisation et d'aller voir leurs militants de s'apprêter. Quoi, Justin a dit, quand tu dors, tu te réveilles, il faut mettre dans ta tête que tu as un combat à mener. Sans le nom de Gbagbo, il n'y aura pas d'élection. C'est ce qu'ils ont été inventés pour boycotter les enrôlements. Maintenant, vous militants, RHDP, qui êtes pris de paix et de justice pour vous, dont il aura les élections demain, vous qui encouragez vous les nouveaux majeurs à aller s'enrôler sur la liste électorale parce qu'il aura élection, eux là, ça là c'est pas les dada, c'est Gbagbo ou rien. Ils ont tout boycotté au nom de Gbagbo. Donc Douamé vient de m'informer qu'ils ont l'intention d'aller saccager les bureaux d'enrôlement. Donc ce message est pour l'état de Côte d'Ivoire. Et donc vous qui êtes dans toutes les communes d'Abidjan, vous militants RHDP, arrangez-vous de sorte, quand vous voyez quelqu'un se diriger, aller dans les bureaux d'enrôlement, qui vont les enrôler sans histoire, laissez-les passer, ils vont les enrôler. Mais si vous voyez des gens qui sont en train de foutre les troubles pour empêcher certains Ivoiriens d'aller s'enrôler sur la liste électorale, appelez la police immédiatement. Appelez les forces de l'ordre, qu'on les arrête et puis ils vont en prison. Voilà. Vous appelez les forces de l'ordre. Vous ne laissez même pas partir, vous les gardez là jusqu'à les policiers viennent les arrêter parce que c'est leur deuxième code qu'ils sont en train de lancer, empêcher les gens d'aller s'enrôler. Merci beaucoup Douamé, merci pour cette information que je prends au sérieux. Je vous ai dit que leur problème là c'est pas celui, quand Koulibaly Kubert a fait une petite vidéo parce qu'il y a un citoyen qui s'est présenté avec sa carte d'identité et sur la carte d'identité dans le taux, le nom du père et de la mère n'est pas inscrit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh, voici la fraude qui a commencé déjà. Voici la fraude qui a commencé. Koulibaly Kubert était obligé de revenir encore expliquer pour dire que non, même si le dos, si rien n'est inscrit, vous pouvez vous enrouler. Avec les probables dans les rues. Oui, ça, quand il a dit, je pense qu'ils m'amusent. Ils ont dit, ils le disent toujours sur nos panels, hein. Que des gens de l'AES seront avec eux dans les rues pour les accompagner. Eux, on sait comment on gère ça entre nous. Et ils savent déjà. Donc, ce message était très important. Alors, nous allons donner la parole
à monsieur chef Kone rapidement, 5 minutes. Il y a Cheikh qui est là, il y a Bakele, il y a Karim, il y a Abou Bamba. Allons-y, Kone, vas-y, il est tombé 2 ou 3 fois. Faut pas t'y attendre. Ils sont là. Ouais, merci, merci l'ancien. Merci, merci le commando, toujours. Ouais, toujours. Chef Lagui. Franchement, moi, je suis d'abord un, je suis soulagé parce que j'ai eu mon semblable. Comment? De la manière, moi, tu t'amuses pas là, tu prends tout au sérieux là, c'est comme ça là, moi ici. Chez moi, mesure, c'est mesure. Tu vois? Faut pas prendre les trucs en amusement. Parce qu'apparemment là, la vie humaine là, la vie humaine est sacrée. On va s'arranger, on va s'amuser là, ceux-là vont sortir dans le dos. Et moi ici à l'ouest, là dit, je sais de quoi il s'agit. Abidjan là, Abidjan n'est pas un problème. Abidjan est mal sécurisé. Le vrai problème, les gars veulent faire un boycott. Ils s'est dit, ils veulent paralyser même le pays. Au niveau de l'ouest là, les gars veulent sortir dans d'eau. Ils font aller faire des recrutements des Libériens. Parce que ça là, eux là, il y a certains. Mercenaires qui sont libérés, eux, ils vivent seulement que de la barbarie. Chaque fois qu'il y a les trucs bêtes, bêtes comme ça, là, il suffit qu'on aille seulement. Hier, on les appelle pas à l'argent, hein. Tu sais comment ils font? On les appelle, ils viennent. Et puis, ils viennent se servir sur le terrain. Ils viennent chercher des butins de guerre. C'est comme ça les libérés là sont. Vous êtes concentrés sur une affaire de l'AES. Il a dit le vrai bas blesse, ils vont venir recruter des gars ici au Libéria. Moi, je préfère. Ça dit là, je vais passer à partir de ton panel. Qu'on nous ramène le même capitaine Diongo, ça dit capitaine Eddy Mehdi. Eddy Mehdi, l'un des petits de Ousmane Chérif, du commandant Chérif. L'un des bons petits du commandant Diakis. Il s'appelle Diongo Chofaya. Ils savent de qui il s'agit. La sauce finale, là, quand ça a commencé, là, premier coup de feu, là, ça a commencé. C'est Diongo qui a envoyé le premier coup de feu. Ça a commencé à partir de Tiapleu. La sauce a commencé à partir de là-bas, Zonouin, Benouin, tous les pleurs, puis continuer devant. Avant qu'Abidjan commence à donner, je sais comment on appelle, l'enclenchement. Donc, franchement, il faudra que le monsieur là revienne sur sa ligne. Il a ses enfants, même les démobilisés, tous ceux qui sont dans la zone, ce sont ces éléments. Là, dit ceux-là, ceux qui sont dedans là, on se connaît. Là, dit, je te jure, wallahi billah, on se connaît. Tous ceux qui sont en train de blaguer sur panel, on est prêts. Il y a un qui parlait tout de suite. Je te jure, lui, là, wallah, il n'y a rien dans son sac. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a d'autres là qui veulent venir faire de la plaisanterie sur panel. On vous dit qu'on en alerte. Ils veulent humilier le vieux là. Même si c'est le vieux là, ils n'ont qu'à aller corps à corps à lui. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le chaos dans le pays. C'est le vrai problème. Là, comme ça, ils vont commencer à saisir un peu l'opinion internationale. Maintenant, je suis en train de faire... Voilà, et puis il y a un garant pour les frères de l'AES. Le pays qui va s'azader. On a vu un ressortissant, deux ressortissants de votre pays. Et voilà. C'est qu'est-ce que... On ne dit pas tout. On va mettre l'élection là à côté et puis on se laisse. C'est tout. Et les enrôlements... L'élection là, c'est pas forcément... Est-ce qu'ils vont s'enrôler même, les gens de l'opposition? L'enrôlement, ça se passe, mais c'est un peu froid, c'est un peu lent. Parce que je t'ai dit que les gars, depuis avant, je t'ai dit qu'ils sont dans un mouvement de porte à porte. Ils sont dans un mouvement de porte à porte. Moi, mais il y a un gars qui est dans la fonction publique. Il est de la fonction publique. Mais c'est ce que j'ai dit. Qui vont les porte à porte, ils vont trouver les coups. Il est pour leur cause. Quoi, Justin l'a dit? Ils vont faire. Tu comprends? Ils font du porte à porte. J'ai dit, là, moi, je ne travaille plus. Wallah. Là, je ne travaille plus. J'ai dit, actuellement, regarde. Il en pause. Les gens, là, prennent le truc là comme amusement. 2025, là. Non, moi, ça ne va pas me surprendre. Personne ne pourra me convaincre si ça. Et tiens.
J'ai vu 2020. Personne ne pourra m'enlever sur ma position-là. Moi, c'est sur ma position-là. Les gars-là ne sont pas prêts à les enrôler. Ceux-là, ils ne veulent pas aller aux élections. Moi, ils les connaissent. Ah, tu penses ceux-là. Ils savent. Ils savent que dans tous les élections, seulement Thiam n'est pas avec eux. Cheikh, il va revenir encore. On va aller avec M. Cheikh rapidement. M. Cheikh Traoré, voilà. Oui, bonsoir, puis, Nadir, bonsoir tout le monde. N'oubliez pas de vous enrouler, excusez-moi, Cheikh. Vous, militants nouveaux majeurs de notre parti politique, allez-y vous enrouler. Voilà. Eux, s'ils ne vont pas, c'est leur problème. On connaît ça. Vous ne vous découragez pas, ne dites pas non. Vous, allez-y. Ce qui prépare, nous, on est au courant déjà. Voilà. Merci beaucoup. Excuse-moi, Cheikh. Bonsoir tout le monde. J'ai une préoccupation. Hein, ma préoccupation est la suivante. En parlant d'enrôlement, moi, par exemple, je suis en train de changer de lieu de vote. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que on doit aller chercher un certificat de résidence au commissariat. Je confirme que c'est totalement gratuit. J'y étais. Mais j'ai pas pu faire le certificat parce que, en plus de la facture de CIO ou SODECI qui porte pas mon nom, on m'a demandé la photocopie CENI de la personne dont la facture porte le nom. Et des cas comme moi, on était nombreux là-bas. On n'a pas pu changer de lieu de vote. Donc, est-ce que ça ne serait pas aussi un frein? Parce que en réalité, quand on faisait les certificats de résidence, on avait juste besoin d'une photocopie de CIO ou SODECI et puis une photocopie de CENI. Juste ça. Mais là, pour l'enrôlement sur la liste. Pour le changement de lieu de vote, oui. On demande que si la facture ne porte pas ton nom, tu dois apporter une photocopie de CENI de la personne dont la facture porte le nom. Et je précise que l'agent de police m'avait dit qu'au début, il ne demandait pas la CENI, la photocopie de la CENI de la personne dont la facture porte le nom. Mais il y a un circulaire qui est venu pour dire qu'il faut ajouter ça. Donc, ça fait que depuis, on est en train de chercher aussi, puisque ma mémé n'est plus vivante, on est en train de chercher sa CENI qui porte le nom de la facture. Donc, ça me pose problème. Je n'ai pas encore changé de lieu de vote. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est que pourquoi depuis le début... on va dire la pré-campagne, depuis l'ouverture de la révision de la liste électorale, dans les discours de pré-campagne, il n'y a pas de ligne qui nous explique, par exemple, les programmes, ou bien on ne nous vend pas de programmes. Pourquoi il y a des discours de violence et depuis, personne n'est venu encore nous vendre un programme pour qu'on puisse commencer déjà à réfléchir pour voir s'il y a un basculement qui se fait par rapport à tel ou tel programme. Donc, ce sont mes deux préoccupations. Après, okay. J'ai une analyse à faire par rapport au sujet, mais je voulais poser ces deux préoccupations. Ok, merci beaucoup. La première, c'est que l'ancienne facture ne porte pas ton nom. Karim, est-ce que tu as la réponse à ça? Parce que... Non, j'ai pas la réponse. Je voulais rebondir sur le deuxième élément qu'il a donné là. Oui, moi je voulais rebondir ça, vas-y. Voilà, parce que c'est ce que, là il vient de nous détailler ça tout à l'heure, ils ne sont pas dans une logique, en fait, surtout les opposants, hein, ils ne sont pas dans une logique d'élection, non. Ils sont dans une logique de soulèvement. Quelqu'un qui veut venir au pouvoir par soulèvement, est-ce que c'est ça qui est son programme en fait? Donc, c'est pas, ils n'ont que seul programme, le soulèvement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font une subversion pour que le RHDP quitte le pouvoir et puis maintenant, eux-mêmes, ils vont venir faire de l'improvisation après pour fatiguer les gens. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ta deuxième préoccupation. Maintenant, l'autre là, il faut qu'on essaie peut-être là de remonter l'information. Oui, je veux. Pour que vraiment il y ait, voilà, pour qu'il y ait au moins la facilité. Voilà, pour ceux qui veulent quand même changer de lieu, voilà, de vote. C'est ça. En mettant son nom, ça prend le temps. Qui a dit ça? Mais dis-lui d'aller changer le nom sur la facture. Mais comment il peut changer le nom sur la facture? Il faut envoyer d'abord le nom de l'ancienne personne qui est sur la facture avant d'échanger. Il a dit que c'est pour sa maman, père à son âme. Et que, il y a,
Pour sa première question, c'est ça peut éviter la transhumance politique. Oui, c'est ça. Parce que si on demande la facture ou la CNI de choses comme on appelle de la personne que son nom est sur la facture, c'est pour éviter les transhumances politiques. Parce que ça peut envoyer encore des débats à confusion. Puisque les gens disent qu'ils vont prendre des gens dans d'autres communes pour venir les faire enrôler dans l'autre commune ou les faire voter dans une autre commune. Donc c'est pour éviter ça que la CEI prend beaucoup de précautions. Et donc je pense que une solution serait trouvée à ce problème. Mais néanmoins, comme le live est suivi par beaucoup de cadres, ils vont me donner la réponse et puis je vais vous apporter cette réponse. Voilà. On dit pour la première question, c'est pour éviter la transhumance politique. Donc, voilà pourquoi on demande forcément qui vient avec la CNI qui porte le nom de la et la personne qui a le nom sur la facture. Donc, on veut avoir sa CNI pour faire le changement. C'est ça un peu. Pour répondre à la question, vraiment, c'est dommage et c'est ça aussi un frein. Pour sécuriser tout, faut prendre des précautions. Donc, on n'a pas encore la réponse, mais on va s'informer, on va se renseigner pour vous revenir. Merci beaucoup. Maintenant, la deuxième question, pourquoi ils ne veulent pas, ils présentent pas de programme, ils ne présentent rien? Karim a déjà répondu. Ils sont pas dans la logique d'aller aux élections. Les gens qui dédiquent tout, que Babo rien. Excusez-moi si je ris. En fait, c'est le vrai mouton. Les gens qui te disent Babo ou rien, est-ce qu'eux sont dans une logique d'aller aux élections? Et deuxièmement, ils disent qu'ils ont les Haoussa, les Burkinabés, les Maliens avec eux, savaient qu'eux veulent se préparer pour sortir dans les rues. Voilà ce qu'ils ont dit, que nous, on relaie l'information. Vrai ou faux, on attend pour voir. Merci. On vous écoute. Cheikh. Cheikh est là. Cheikh Traoré. Oui, ma dernière préoccupation. Quelle analyse vous faites du fait qu'on souhaite faire un déversement automatique des nouveaux majeurs sur la liste électorale pour éventuellement pour les élections à venir? Oui, et Pali et Puno, j'ai la réponse du quoi? Quelqu'un dit la réponse. Toi, tu es en Italie, toi, tu as la réponse. Après, on t'a appelé. Alors, ce problème a été posé par la CEI. C'est les mêmes opposants qui ont critiqué que parce qu'il y aura des fraudes. C'est comme ici, un peu en Europe, quand tu as 18 ans, tu n'as pas besoin que tu viennes t'inscrire. Automatiquement, tu es sur la liste électorale pendant les élections ou avant les élections. On t'envoie ta carte électeur, etc., tout, et puis tu vas voter. Cette proposition, elle avait été faite. C'est-à-dire que si tu as 18 ans, dès que tu fais ta carte d'identité, automatiquement, on te balance sur la liste électorale. Mais avec ces histoires où ils disent qu'il y a un papa il y a un vieux de 100 ans qui va voter, et 2 millions de personnes, et une femme qui aurait accouché près de 400 enfants, dont ils n'ont pas encore envoyé les enfants, dont ils n'ont pas encore envoyé les preuves. Et si on bascule directement les nouveaux majeurs sur la liste électorale, ça va créer des problèmes. Sinon, cette proposition avait été faite. Mais c'est l'opposition qui a refusé, sous prétexte de d'enrôler des non-ivoiriens sur la liste électorale. Voilà un peu ma réponse. Et c'est pourquoi je reviens toujours sur la question. Tout leur alibi aujourd'hui pour donner un peu de tonus à leur combat, c'est la CEI. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'ils ont trouvé comme alibi pour mener leur combat. C'est tout. Voilà. Voilà. Comment je peux répondre à cette question? Sinon, c'est une proposition qui a été faite à un frère. Voilà. T'as pas l'information, je te dis. J'avais écouté ça sur un des lives de NCI. Voilà, c'est le même là. Alors, Cheikh, on continue toujours. Oui, Cheikh, c'est bon, dis-nous, parce qu'il y a Bakele qui est là, il y a Karim qui est prêt. Si Cheikh n'a pas de questions. Non, c'est bon pour moi, c'est bon. Ok, allons-y avec Karim rapidement, il y a Bakele qui est là. Bonsoir, Karim. Ouais, bonsoir à Lagi Chérif, bonsoir à tous les Koya aussi. Voilà, vraiment, on est laissé nous faux. Les Koyara sont nos esclaves, mais vraiment, le travail que ce Koyara est en train de faire là, nous laissons nous faux là. Bon, déjà, même on a un pied cassé avec notre frère Soro qui se pavane en train de boire du bois de chameau quelque part là-bas. Donc, vraiment, on ne sait même pas ce qu'on va dire encore de ces nouveaux. Voilà, donc là, dit. En fait, pour rebondir sur ce que tu as dit, et c'est ce que tu nous as toujours fait comprendre, il faut que nous soyons dans une logique de légitime défense.
parce que c'est vrai que ça nous peine de le dire, mais le pouvoir en place est un peu laxiste par rapport à un certain nombre de situations. Par conséquent, nous devons rester mobilisés et défendre nos biens. C'est comme ça, en fait. Et en le faisant, en même temps, on marque l'opposition psychologiquement et on empêche l'opposition de faire beaucoup plus de dérives. Normalement, ils devaient aller quand même mobiliser leurs troupes pour se faire enrôler massivement. Effectivement. Mais ils ne sont pas dans cette logique-là, Vladi. Je constate que, la dernière fois j'avais rappelé ça ici, je constate qu'il y a deux partis qui sont mobilisés hein, à aller s'inscrire sur, je peux dire, les militants de deux partis, le PDCI-RDA et le RHDP. C'est ce que je constate, même dans la zone où je suis, c'est ce qui se passe, en fait. Les militants du RHDP et les militants du PDCI-RDA, qui sont vraiment actifs, qui font vraiment tout pour être représentés sur la liste électorale. Sinon que les gars ne sont pas vraiment dans cette logique-là. Donc, du coup, ils ne peuvent que mobiliser leurs troupes, leurs sympathisants, à aller à la subversion, à déranger le système, je peux dire, électoral mis en place, afin de ne pas aller aux élections. Vous voyez là, dit. Et au lieu d'inciter leurs sympathisants à aller se faire inscrire et puis descendre naturellement, pour ne pas dire légalement, dans l'arène politique pour essayer de gagner le pouvoir d'État, ils ne le font pas. Ils encouragent les gens à se galvaniser, à se mobiliser, comme l'a dit quoi Justin. N'attendez pas le moment. Mettez-vous dans la tête. Faites du porte-à-porte. Dites aux gens que ça va, on ne sait pas à quel moment ça va. C'est comme le dit les Bambana, c'est sous le couloir, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'élever, mais ça va s'élever. Donc nous, on ne peut pas rester là en train de voir quelqu'un comme ça, comme quoi Justin dit ça. Les autorités même sont là. Elles entendent, elles voient et elles n'agissent pas. Et puis, sous prétexte que c'est la liberté d'expression, mais quelqu'un qui incite les gens à la violence, quelqu'un qui prépare les consciences à la violence, doit quand même subit les rigueurs de la loi. Mais si rien n'est fait, nous, on ne peut pas aussi regarder cette loi-là, ce comportement-là se proliférer, et puis le jour où ces gens-là vont s'élever, même s'ils ne réussissent pas, qu'ils gâtent nos biens qui ne nous seront pas rétribués ou remboursés. Donc, le message de l'ADI est clair. Nous allons d'abord nous mobiliser pour protéger nos biens. Si ça dégénère, s'ils veulent passer à autre chose, nous allons vraiment nous défendre. Ça sera de la légitime défense. Nous n'allons jamais attaquer quelqu'un. Il n'a jamais été question d'attaquer des gens de l'opposition. Mais si toutefois nous sommes acculés, si toutefois nous sommes attaqués, nous allons envoyer la riposte. Voilà. Donc voilà un peu le message. Sinon l'opposition actuelle, je peux dire, surtout les Gors et les Soroïs, les Soroïs même ne sont pas vraiment beaucoup représentés. Les Gors ne sont pas dans une logique d'élection. Ne disons pas qu'ils n'ont pas gagné d'élection, ils n'ont pas gagné aux élections locales, par conséquent, ils ne représentent rien. Non. Quelqu'un qui distille de mauvaises informations a toujours la capacité d'influer psychologiquement sur les gens. Tout à l'heure, là, il y a un intervenant qui est monté qui ne comprenait pas, qui disait que non, Ouattara, le président Ado a arraché les armes dans la main des militaires. Ça, c'est de la désinformation. Si il n'avait pas appris ça sur un panel de désinformation, est-ce qu'il allait venir en parler? C'est parce que ça le préoccupait qu'il est venu en parler. Tu vois? Donc, nous devons, sur le plan de la communication, nous devons rester mobilisés et nous devons aussi nous apprêter pour défendre nos intérêts. 2025, là, ça ne va se passer qu'avec les élections. Celui qui a un autre plan va croiser des gens encore beaucoup plus déterminés que lui sur le terrain. Il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Ceux qui sont ici, comme ceux qui sont à l'étranger, doivent comprendre que la seule manière de gagner le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire ici et désormais sera par la voie démocratique et non pas par le rêve qu'ils sont en train de chérir puisqu'ils voient les États de l'AES hein,
toujours en train de répéter des coups d'État chez eux là-bas comme de la récitation. Nous, chez nous ici, ça sera avec les élections. Et il faut que cela soit clair. Et c'est ce que Kuibia a dit. Il dit qu'il y a près de 5000 bureaux de vote, l'a dit. Pendant que l'État a investi, la CEI a investi de l'argent pour ouvrir ses bureaux, ces agents-là, même s'ils n'ont pas fait de cagnotte, même s'ils n'ont pas recenser les nouveaux majeurs ou bien ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'être sur la liste électorale, même s'ils n'ont pas pu les recenser, ils seront payés. Ils seront payés. Hein? Alors, 5000 bureaux de vote. Mais cela veut dire que vraiment l'opposition n'est pas engagée à aller aux élections, l'a dit. C'est clair. Ça dit que cette remarque de Kuibier démontre que l'opposition même n'est pas vraiment engagée. L'opposition est dans la manipulation, l'opposition est dans le déni. Il faut que nous, en tant que population, ou bien en tant que sympathisants du RHDP, puisque c'est nous leur cible, voilà, il faut que nous soyons mobilisés et que nous soyons prêts à répondre du tic au tac à tous ceux qui vont vouloir organiser. Nous n'allons pas attaquer quelqu'un, nous allons défendre nos biens, nous allons défendre nos familles, nous allons défendre nos intérêts, nous allons défendre ce que nous pouvons défendre. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire là. Voilà. Ok, merci beaucoup Karim. Allons-y avec Bakélé rapidement. Bonsoir Bakélé. Bonsoir mon frère, bonsoir Karim. Bonsoir. Ah, mais je ne vais pas te répondre. Et là, vraiment, je voulais te remercier. Et hier, j'ai écouté le débat. Hier, j'étais très pacifique. Mais j'ai pris votre. Le meeting de quoi, Justin, j'ai mis sur un panel. Tous ceux qui n'avaient pas encore écouté, j'étais dans ma position. Là, il y a une petite motion. Il y a une motion. Oui. Il y a Cheikh Traoré. Voilà, qui pose une problématique ici. Il dit, quelle proposition on fait pour le toilettage définitif de la liste électorale? Alors, moi, je voulais lui apporter cette réponse-là. Je voulais lui dire que, en fait, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire sont représentés dans la CEI. Tout ce que les opposants sont en train de distiller, ils n'ont aucune preuve, ils n'ont apporté aucune preuve pour le toilettage de la liste. Il y a au moins des procédures. Envoie leur certificat de décès, on va les retirer en fait. Si tu dis encore qu'il y a des étrangers qui sont sur la liste électorale, envoie la preuve qu'ils ne sont pas ivoiriens et qu'ils n'ont pas présenté de documents qui confirment qu'ils sont des ivoiriens pour se retrouver sur la liste. Envoie tous les éléments qu'il faut. Ils ne le font pas. Ils ne font que dire des mensonges, des choses où ils n'ont aucune. Ils n'ont pas, même s'ils ont les preuves, ils n'ont pas envoyé les preuves et puis ça n'a pas été appliqué par la CEI. Hein, pour le retrait de ces personnes-là sur la liste électorale. Donc vraiment, il faut arrêter de t'embrouiller avec ces genres de situations-là. Si l'opposition est sûre d'elle, qu'elle envoie les preuves, et là, ces personnes-là seront retirées de la liste. C'est ça que j'ai dit. Ils ont tous des représentants dans la CEI. Pourquoi ces représentants-là ne sortent pas pour dire le contraire de ce que M. Kuibia dit? C'est pas parce qu'ils sont, muselés, non. C'est parce qu'ils voient que c'est tellement clair qu'il n'y a rien à dire, en fait. Donc voilà ce que je voulais répondre à ce monsieur. Non, je reviens. Je dis que je voulais soutenir mon frère, Ladji, et il voulait présenter mes excuses parce que hier, j'étais dans une posture de. Oui, non, j'ai compris ta posture. Mais, il y a les modérés. Je suis resté ici jusqu'à l'heure là. Mm-hmm. Parce que d'après qu'on dit, il y a les gros lettrés puis il y a les intellectuels. La différence, c'est qu'il est un intellectuel, il doit être honnête. Hier, j'ai dit quelque chose. Aujourd'hui, j'ai mis le meeting. Tous ceux qui ont écouté le meeting, tout le monde a pris ta position. Et ce qui m'a encore plus choqué, il y a quelqu'un qui est venu sur le panel l'année en 2020. Là, il nous a empêché de réagir. Il y a eu des morts. On ne va plus rester dans cette situation. J'ai compris qu'effectivement, vous êtes dans votre position. Et votre position, je l'apprécie. Et je vous soutiens à 100% maintenant. Parce que votre objectif, c'est d'éviter, c'est la prévention. Et d'ailleurs, au lieu de parler de légitime défense, on doit créer des conditions pour qu'il y ait des groupes de prévention. C'est-à-dire que quand on parle de saccager nos matériels, il faut qu'on ait des moyens pour pouvoir protéger avant qu'ils arrivent. Mais ça ne sert à rien de déjà gâter
une industrie et puis venir reconstruire. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, vous avez dit quelque chose, c'est dans la logique de ne pas aller aux élections. Et que tout ce que vous avez dit, j'ai fait une analyse aujourd'hui, j'étais sur le panel, j'ai écouté, et un certain maire de Dassalé, qui disait, de Tiassalé, qui disait que non, lui, il a des éléments, il a eu des fraudeurs chez lui, il a déposé ça quelque part, mais j'ai vu que Doumia, et Yacouba Doumia est venu dessus. Il n'a que deux à trois dossiers qu'il a, et les gars lui ont dit que non, avant de faire, parce que chaque année, en principe, il y a la révision électorale, de la liste électorale. Donc, à l'issue de ça, il y a une période de contention qu'il devait venir déposer. Mais lui, il est allé déposer chez un procureur. C'est pas ça. C'est ça. Donc, il faut que les gens comprennent. Parce que ça veut dire qu'il est en train de décrédibiliser le parti. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer. C'est un problème que la commission électorale doit régler. Que tu envoies ça au ministre de la justice. C'est la commission électorale qui doit saisir la justice pour dire bon, voilà, telle personne a été. Il faut faire une enquête autour de la personne. C'est vrai, il peut prendre, monsieur, là, il dit que non. Comme lui vient de ce gars-là qui ne veut pas de Macron, il dit non, il n'est pas croyant. Il n'y a pas de preuves. Voilà qu'on parle la même langue. Donc voilà ce qu'on lui a dit, c'est ce que Yacouba Doumia a écrit ce soir. Donc je vous soutiens totalement. Tout ça là, c'est pour mener les gens à décrédibiliser la CEI. Donc je suis totalement d'accord avec toi, je vous soutiens. C'est hier, je n'ai pas compris, il faut que je sois honnête avec moi-même. Pourquoi je suis resté jusqu'à aller là? C'est pour vous dire que non, vous êtes dans la logique. Surtout que le monsieur est venu, c'est un certain Vaseko. Quoi, il est de Yopougon aussi. Il dit, mais l'année passée, nous, on a voulu agir. Il a dit, non, restez tranquille. Il y a eu des morts. Et aujourd'hui, on ne va plus accepter ça. Sans que même ne soit sur notre palais hier nuit. Donc, vraiment, je voulais présenter mes excuses. Il faut que j'aie l'honnêteté de dire que c'est nous, on a fauté hier. Et que je voulais te remercier. Et quoi que 1 plus 1 égale à 2, ça qui fait l'honnêteté de l'homme. Ça, il ne voit pas pourquoi on va dire, on va banaliser l'affaire audio, tout ça là pour dire que non, le parti ne veut pas, la liste soit nettoyée. Si tu as la fraude, tu connais où, à quel moment on fait les litiges, tu vas déposer là-bas. Avec les preuves, c'est la commission électorale. Si la commission électorale ne réagit pas, tu peux maintenant aller vers les autorités, mais tu sautes ça. Il a déposé ça depuis le 23 juillet 2023. Alors qu'avant ça, après ça, il n'y a pas eu encore de révision électorale pour dire que non, on a refait de courrier. Donc, je voulais te soutenir. Ça dit que c'est la même chose, ils sont sur la même voie. C'est eux qui sont là, les porte-flambeaux, pour décrédibiliser le parti. Non, vraiment, je vous suis, je voulais te remercier. Merci. Et que ils donnent l'envie, pour que j'ai l'honnêteté de revenir dire ce que j'ai dit hier, que je n'étais pas sur la bonne voie. Parce que tous ceux qui sont passés sur le panel, ils ont pris ta position catégorique. Même j'ai fait exprès pour me mettre dans l'ancienne position. Mais les gens, ils m'ont tellement saboté aujourd'hui. Finalement, ça me faisait rire. Donc, par conséquent, il faut que je vienne redire que non, vous êtes sur la bonne position. Mais on dit pas d'aller attaquer les gens. Mais c'est la prévention qu'il faut mettre en place pour pouvoir éviter que ce qu'ils veulent faire, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Merci beaucoup. Je voulais m'arrêter là. Merci, merci. On va aller avec Aboubacar rapidement. Aboubacar Bamba, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, Ladji. Ah, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites, Ladji. Wallahi Bilay. Non, il était petit chapeau, Nenala. Sauf celui qui ne veut pas accepter ce que tu es en train de dire là. Ou bien, je ne sais pas comment il a expliqué ça, quoi. Ali Haklibo. Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence en t'écoutant là, au nom de Dieu, il doit comprendre tout ce que tu es en train de dire. Il vous dit, parce que moi je suis un Dalassien, je viens de Dalawa. Je sais que vous m'attendez très bien. Hein. Allô? Oui, allô, oui, oui. Voilà. Donc je vais vous relever certains trucs qui se sont passés à Dalawa, parce que moi je viens de Dalawa. Merci beaucoup. Voilà. Donc. Chaque commune va venir donner pour lui. Allons-y, merci. Là, il dit, Wallah Bilet, allez-y, Nenala. Il dit, je regrette aujourd'hui, non. Si je savais que le cas de Gbagbo allait se passer comme ça, là, ne tout est dans l'Europe. Moi, j'allais rester là-bas pour que, à Béke, n'y en a quoi. Allez se retourner encore sur la scène politique. Ça fait mal, hein. Nos frères qui sont perdus, là, il y a un frère sang qui a pris balle à côté de moi, il te jure, allez bien, pendant la crise là. Quand Balido, balle est rentrée,
dans son derrière, devant là, c'est gâté. C'est-à-dire où c'est rentré, où c'est sorti là. Ça a mis un gros trou là-bas. Intestin versé par terre. Mon frère, ça, il est mort. Ou allez, puis les datants de Babo. Ceux qui étaient à Dalawa là, ils peuvent témoigner sur le panel. Il y a un mois où les rebelles sont rentrés et puis après ils ont relâché Dalawa. Ce temps-là, là, nos tombeaux étaient déjà creusés à Dalawa là-bas. Sur les quatre sorties de Dalawa, ils avaient creusé nos tombeaux. Ils étaient prêts à faire des charniers pour aller nous enterrer là-bas. Il y a des gens qui sont sur ce panel-là, ils peuvent témoigner si je mens. Quand ils sont rentrés, après ils sont ressortis, Dieu merci, le temps ils vont s'organiser pour recommencer encore là. La force nouvelle est revenue reprendre Dalawa encore, quand Bel libéré. Pendant les votes là, il y a des gens encore qui peuvent témoigner encore. Pendant les votes là, ceux qui étaient dans les bureaux de RHDP, dans les pays BT là, l'a dit, ils ont attrapé d'autres cas. Les deux derniers doigts là, vers la fin là, les deux derniers doigts là, ils ont coupé les deux derniers doigts. Plein de nos frères sang, ils ont coupé les deux derniers doigts. Dans le temps des élections de Gbagbo, c'est les frères de Gbagbo, c'est les éléments de Gbagbo qui ont fait ça dans les villes BT. On connaît tout ça là. C'est-à-dire, aujourd'hui là, il était su, hein, depuis longtemps, il était su depuis longtemps. C'est-à-dire, il veut qu'on commente, il parle. Mais là, si il était dit que non, Alassane Ouattara qui est là, nos présidents, nos grands-pères là. Il y a confiance à Ado, à l'Ebilet, allez-y, que moi-même. Il y a confiance à lui que moi-même. Je sais que Gbagbo, là, c'est fini pour lui. Il est comme il a dit, il va le faire tomber comme un fruit pourri. Il faut regarder la vidéo de Alassane Ouattara où il allait dans l'enterrement des militants qui sont tombés là, l'a dit. Et puis il a dit dans son interview, il dit que l'armée doit être républicaine. Il faut regarder son regard, l'a dit. Il était tellement déprimé, non, tellement découragé. Quel est le cas là, trop fait salsa. Tchè, akatchè, trop katmè. Tellement il a emmerdé le gars. Il dit, quand il est venu, quand il a dit la force de défense doit être républicaine. C'est-à-dire, quand il regarde son regard même là, Alassane Ouattara, il faisait pitié. Il faisait pitié. Lui qui tombe, lui qui meurt pour toi là. C'est-à-dire, ça doit te faire mal même que celui même qui est proche de toi. Aujourd'hui là, après ça, tellement ça l'a touché, il est venu dire ici que Gbagbo, il va le faire tomber comme un fruit pourri. Et puis c'est ce qu'on est en train de voir. Là, dit voilà les billets, allez-y. Tout le monde parle de Oufoué Boigny. Hein. Il y a d'autres qui sont nés, ils n'ont pas vu Oufoué Boigny. Aujourd'hui là, jusqu'en 2100, tout le monde va parler de Bédier parce que son nom a été immortalisé sur le pont là. Le pont Henri qu'on a Bédié, son nom est là. Gbagbo, il va partir comme ça, comme si personne n'est venu. Au nom de Dieu, comme si personne n'est venu. Ce que Gbagbo nous a montré dans le pays là. C'est-à-dire, moi-même, je me demande, il y a combien de Gbagbo dans le pays là. Et puis, les gens sont en train, et puis, il y a d'autres qui sont en train de lutter pour qu'ils reviennent encore sur la scène politique. Il s'agit, je ne comprends pas quoi. Gbagbo qui est là. Gbagbo, l'assassin, le tueur là. Là, il dit, au nom de Dieu, c'est pas venu dans nos têtes, non. C'est pas venu dans nos têtes. Dans le temps de la rébellion, c'est pas venu dans nos têtes. Sinon, on allait prendre les portables pour filmer, on allait garder beaucoup de preuves. Mais on peut, ça dit, on peut pas faire revenir les choses en arrière, quoi. Il dit, les trous qu'ils ont creusés, même quand les rebelles sont rentrés, ils sont sortis, là. Là, il dit, chaque jour que Dieu fait, tu vas voir des corps sortis du camp militaire pour aller les enterrer. Chaque jour que Dieu fait. À Dalawa là-bas. Ça dit, ils sortent chaque jour, deux fois, trois fois, chaque jour. Oh, pourtant, il y a nos parents qui sont en train de disparaître dans la ville. On ne sait pas comment, qu'est-ce qui se passe. Et puis, souvent, tellement c'était trop, souvent, ça, si on réfléchit, on dit, mais dans l'armée là, est-ce que nos frères même, du Nord même, sont dans l'armée? Ça dit, nous, on se posait la question, quoi. Est-ce que nos frères du Nord sont dans l'armée? Et puis, ils sont en train de nous tuer comme ça. Mais quand ils veulent faire ces genres d'opérations, ils envoient les gars armés sur le terrain. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe. Quoi. Là, ils n'avaient pas sentiment. Ils n'avaient pas sentiment. Ce qu'ils nous ont montré dans Dalawa, là. Moi, ils disent de la Sainte-Demande. Moi, ils ne parlent pas de Haute-Ville. J'ai fait Dalawa. Ce qu'ils ont vécu là, c'est ce qu'ils sont en train de dire.
il y a des Dalassiens sur le panel, là, ils peuvent dire si c'est vrai ou faux. Mmh. Ce que Gbagbo nous a montré. Alassane, moi-même, j'ai dit au Prado, quoi. Wallet, Billet, allez-y. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il va, Alassane, dans son temps, là. Alassane, là. Gbagbo Laurent, là, il ne va plus revenir sur la scène politique. Mais moi, je ne parle pas de nos Prado. Moi, je parle de celui qui va le succéder, là. Wallet, Billet, allez-y. Celui qui va enlever sanctions sur Gbagbo Laurent. Après Alassane Ouattara, au nom de Dieu, ce qu'il va voir dans le pays, là, on lui montre. Wallet, Billet, allez-y. Parce que c'est qu'Alassane Ouattara, il ne va pas faire ce genre de trucs, là. Bah ouais, c'est fini pour lui, c'est mort comme ça. Mais s'il s'en va après lui là, pour dire qu'il va essayer d'enlever sanctions sur Gbagbo Laurent, il n'a qu'à attendre 2040. Si sa vie peut arriver là-bas, là, 2040 là, il va reposer sa candidature. Sinon 20 ans là, Abe Yaraira Dougoukono, il va faire ses bêtises là. Là on les regarde quoi. Parce que il y a quelqu'un qui dit que ce que tu dis c'est vrai, hein. Qu'il y avait une liste noire qui était dressée à Dalois contre les nordistes. Il dit c'est vrai qu'on prenait nos ambitions, des corps sortaient et on les retrouvait. Que je te jure devant Dieu, l'a dit. Je suis de la sienne. Ce que tu dis là, le gars dit c'est vrai. Hein? Il est en train d'écrire ici. Oui, vas-y. Et c'est ce babou là, les gens parlent de lui comme s'il n'a rien fait. Comme s'il est sain, quoi. Et puis, quand j'attends Babou, mais là, je vois les blés, faut ni de la fin, quoi. Ça dit, je suis énervé un coup, mais je sais pas. Mais, en Alassane Bonya, hein, on a l'habitude de dire sur le panel, mourir pour un politicien, c'est comme si c'était mort pour zéro. Mais Alassane Ouattara, là, Wale Bilet, allez-y, là, dit, c'est pas un saint politicien. Au nom de Dieu, allez-y. Au nom de Dieu. Je vais pas le comparer au prophète, allez, salat wa salam, hein. Oui. Mais il est à 89 ou 90%. Wallet Billet, allez-y, du prophète. Exemple du prophète. Là, ils sont pardon, là. Nous-mêmes, là, ça nous énerve. Au nom de Dieu. Mais cette fois-ci, là, désobéissance civile, là, ça me fait tellement mal qu'on en rentre sur l'Europe, quoi. Ça me fait. Et puis, ça tombe bien aussi. Séjour renouvelé. En ce moment-là, il faut qu'il commence d'autres procédures encore. Mais il est rentré dès maintenant, non. Au nom de Dieu. Là, Alassane Ouattara, dès qu'il a dit que pas de vengeance, là, dit, tellement qu'il a quand même dit quoi. Hein? À ma main, moi, ici, qui t'a encore, je suis venu ici. Au nom de Dieu. Quand il a dit pas de vengeance. Qu'a dit Bonne du Soukunga, mais on l'a regardé parce qu'on avait confiance en lui. En du Soukunga, quoi. On est, il y a nos frères sans qui sont morts. Ça dit, ça pourrait être nous. Ça pouvait être nous. Moi, chaque jour, les rebelles, ça dit, la force nouvelle, ils ont mal fait, hein, prendre Dalois et puis laisser là. À ma ben, il dit, même l'imam qui était à Dalois là-bas, ils étaient obligés de laisser les coups pour aller dans autre ville. Les gens disparaissaient dans ville là, un par un. Et puis chaque jour que Dieu fait, c'est de quoi qu'ils soient du camp militaire, on partait les enterrer. Wallet Billet, moi étant au bord du goudron, je les voyais passer chaque jour. Mais à Manankouna, Longuelinko, on va prendre le téléphone pour dire qu'on va filmer. Et puis on va mettre le commentaire en bas. Et puis on va filmer pour chaque jour. Et puis on met chaque date. Sinon, Wallet Billet, preuve que j'allais te donner là. C'était trop niant. Ça allait trop fou. Dans le temps de Gbagbo, ce qu'on nous a montré. Non, là, ce que moi j'ai dit en conclusion, Alassane Ouattara, on n'a qu'à avoir confiance en lui. Moi, je sais que moi où je suis là, tant qu'il est là, moi, mon cœur, c'est ça, il s'est posé, quoi, tranquille. Tellement là, Alassane Ouattara, là, hein, là, dit. Wallet, je le, même un moment, là, quand il avait dit, que les voitures, par exemple, les voitures moins de 5 ans ne rentrent pas, un truc, il y a discussion, moi ça m'a touché un peu, mais après, il a vu que vraiment c'est bon. Mais aujourd'hui, là, membre colombe pour la pays, là, il n'y a pas, il y a moins d'accidents, c'est pour nous-mêmes, nos propres sécurités. Ça dit tout geste, tout fait et geste qu'Alassane Ouattara va faire au nom de Dieu, là, ça profite sur nous-mêmes. Tu ne comprends pas ça. Mais les anciennes voitures, là, polluent l'air. Ça pollue l'air. Et puis, ils vont jamais en visite. Tu attends d'un quartier, là, que quelqu'un est malade à Salah. Tu attends, lui, il est malade, il est mort.
On va rouler en dehors des pourris, toutes ces voitures pourries là. Ils vont jamais en visite. Ils vont jamais en visite. Ils viennent faire des arrangements, ils viennent magouiller les gens à l'hôtel quoi là-bas. Et puis ça passe, hein. Donc les gens mourront comme ça sur la route. Mais aujourd'hui, grâce à ce monsieur, les voitures moins de 5 ans. C'est-à-dire quand tu rentres dans Côte d'Ivoire, tu vois les voitures, tout est neuf, à peu près, toi-même, tu es content. Le pays est comme c'est devenu nouveau. Et puis, c'est des maudits là qui veulent venir gâter ça encore dans temps. C'est-à-dire, nous, on a vu tant de babos, on connaît babos, on connaît les bandes de voyous, les bandes de braquets là. C'est-à-dire, groupe de braquets, ils sont quittés dans braquage, ils sont venus faire politique. Et puis, ces politiques là, ils sont très. C'est-à-dire, tellement ils sont voleurs, même et les militants même sont voleurs. C'est-à-dire, ils veulent organiser marche pour casser les magasins des Libanais, les trucs. Attends, vrai. Pour prendre beaucoup de trucs, pour s'enrichir, quoi, un truc, quoi. C'est eux-mêmes. Ça dit, quand on dit marche, là, je suis pas là, hein, mais j'ai confiance à mes frères qui sont là-bas. Wallet, Billette, allez-y, ils vont faire sa propre, oui, là, dit. Il y a un lac à ce nom. Au nom de Dieu, ils vont faire sa propre. Non, mais ça c'est vrai. De la manière, nous, mais on est radical ici, là, mais il y a des plus radicales que nous qui sont encore au bled. Moi, ils m'ont fait fryer pendant 2 semaines, je dors pas chez moi. Et alors, ils ont raté le président de notre. Des sections. Son route de salut, il a gagné un temps. Ils ont enlevé l'imam de mosquée, la mosquée de Ouassakara. On a lancé alerte partout. Quand ils ont repris Darawa, ils ont fait rentrer un chat là. Il y a un chat qui était vers l'escadron qui faisait face à la ville de Darawa. Il a dit Wallah, bledé, merci, avant que les rebelles, avant que la force nouvelle ne parte de Darawa là. Ils ont détruit ce chat là. Sinon, Wallah, il a dit il allait pilonner Darawa. À tout la ville, il allait pilonner la ville de Darawa. Déjà, c'était les mercenaires de Gbagbo qui étaient dedans. Salut, ils ne connaissent pas bonjour. Ils ne connaissent pas comment tu t'appelles. Salut, les vrais anglophones qui étaient là, avec quelques loyalistes qui étaient mélangés entre eux. Mais on a eu la chance. On a très, très eu la chance. Et puis c'est ce Gbagbo là, on vient, c'est lui, on veut lutter pour le faire rentrer sur la scène politique. Mais si Gbagbo rentre sur scène politique là encore là, là dit Wallah, c'est que nos militants qui sont morts là, ils sont morts pour zéro. Wallah. Parce qu'ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils veulent plus voir Gbagbo au pouvoir. C'est pourquoi ils ont lutté jusqu'à ils ont perdu leur vie. Et puis c'est ce Gbagbo là, ils vont faire revenir. Je sais que Ado, Wallah, je touche du bois, Tenason, Alain Gissi, Akanake, il ne va pas le faire. Mais celui qui va le succéder là, si c'est amusé, même un suiveur de Gbagbo, si c'est amusé pour le mettre dans le gouvernement, pour dire qu'on le connaît, et puis il y a bras de la poste important dans là, ce qu'on lui montrait là, par une bande de voleurs là, on n'a qu'à les laisser quand elle est problème, ils n'ont qu'à quitter la scène politique, ils n'ont qu'à partir comme ça. En gros, on a vu la gestion. On les a vus tous. C'est-à-dire les enfants même. Dieu merci. Tchadam Franlilu l'a compris. Mais on espère qu'il va rester comme ça. Bleu Goudé là. On espère que lui, il va rester comme ça. Il a compris. Mais c'est son premier fils là. Le maudit qui est dans l'AES là. Vilain qui est derrière toi là. Oui. Avec sa tête de vieille personne là. Tiens oui. Je ne sais pas comment quoi. Mais je demande pardon au Prado. Wallah, d'ici il va partir. Il n'a qu'à gérer le cas de l'imbécile qui est derrière là. Parce que quand je pense à son existence même là, j'ai peur. Là, dit Chen Mang, il n'a pas de considération pour la vie humaine quoi. C'est-à-dire, l'incarnation du démon, c'est lui qui est là. Quelqu'un qui se moque de la mort de quelqu'un qui t'a tué. C'est-à-dire, tu te moques. Et puis, c'est toi qui l'as tué. Mais tu vas aller dire quoi à Dieu? On va se poursuivre avec machette avant que le jugement commence là-bas. Au nom de Dieu. Donc là, c'était mon mot de fin. C'est ma première fois de participer. Vraiment, je t'écoute depuis longtemps. J'ai lancé un big up à Chomba, le sage, avec mon Benja et Dengele. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Vraiment, quand Dengele il commence à intervenir. Il a dit, quand il voit Dengele, il commence à partir. Dengele, t'es mon Benjé. Il sait qu'il ne me connaît pas, mais peut-être qu'il doit connaître ma maman. Salimata Doumia.
Elle est de Daloa, elle perd à son âme, elle est décédée. Je sais que Bengele, il nous écoute, il va regarder, on voit ça. Peut-être qu'il connaît ma maman. Parce que ma maman, son frère, c'est le papa de Tikenja. Donc quand j'ai vu Bengele attaquer Tikenja, vraiment, il devait faire carrière au lot, mais ce jour-là, il était au boulot. Il n'a pas pu monter. Mais je lui lance un big up, je le soutiens, Wale Bile. Quand il monte là, il y a même un B52 sur son nom. Dengele le B52. Lui, il ne cherche pas à arranger. C'est moi non, qui... Non, Abaye Yamabile. Moi, j'arrive à le maîtriser un peu ici. J'essaie, j'écoute. Moi, j'arrive à le modérer. Non. N'a d'abord, ma panel n'a qu'à sauter. Un mois, ils ont signalé, ils ont fait sauter tous ces concepts blocs. Non, c'est vrai, Luma, Wale Bile. Il le salue, Wale Bile, il le salue. Donc, vraiment, là, dis merci beaucoup. Je vais commencer maintenant qu'il y aura là. Parce que le cas de Gbagbo, là, si on ne prend pas au sérieux, là, dans le musée, là, ils vont l'amnistier et puis ils vont revenir sur scène politique. C'est comme nos morts, là, ils sont morts cadeaux, hein. Et il va répéter la même chose. Wale Bile, même il si. Il va pas changer. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Même si lui, là, l'imbécile de Gbagbo, là, même s'il vient, là, là, il va crier autre chose encore qui n'a rien à voir avec tout ce qui est passé pour créer des morts encore. Je ne sais pas s'il adore fétiche, quoi. Si c'est fétiche, lui demande qu'il n'a qu'à faire en sorte que les gens n'ont qu'à mourir pour que son fétiche n'a qu'à avoir la force. Je ne sais pas si c'est ça, quoi. Mais Gbagbo, c'est-à-dire souvent, on regrette pourquoi la force nouvelle ne l'ont pas exterminé. Souvent, on réfléchit, on dit non, il est bien aussi de le laisser en vie, comme ça, il va bien voir la Côte d'Ivoire qui a évolué aujourd'hui. Comme ça, mais s'il vient nous mettre les bâtons dans le roue encore, là dit, cette fois-ci, la personne ne sort. À partir de à moins de 2 mois, là, ils n'ont qu'à fermer toutes les frontières. Vol même, ça passe plus. Personne ne sort, tout le monde reste dans la Côte d'Ivoire, là, on va se gérer. Voilà, on n'a qu'à se gérer. Parce que c'est là, ils pensent qu'ils sont plus violents que nous. Mais Aïta Krama, celui qui est devant là, c'est parce que lui, c'est un père spirituel. On le suit, on écoute sa parole. Mais on va faire comme si on n'a pas écouté. On va se frotter un peu. Quoi. Non, quand on va se frotter un peu, chacun va connaître sa papa. Là, il est en long. Il y a un jeune qui est monté la dernière fois. Il a dit qu'on fait beaucoup d'enfants que tout le monde là. Je ne sais pas si tu te rappelles dans un débat là. Ouais. Il a dit que les Nordistes font beaucoup d'enfants que tout le monde. Qu'on fait. Que lui-même. Là, moi-même, il y a 4 d'abord. Il y a 4. Je ne m'amuse pas, mais nous on fait beaucoup d'enfants, c'est-à-dire on n'est plus beaucoup que c'est nous on appelle la ch... Mais s'ils ont oublié là, ils n'ont qu'à venir. Le mot d'autre là, c'est assalamu alaikum. Ils vont aller apprendre assalamu alaikum pour maîtriser. Mais on va venir avec autre stratégie. Il a donné. C'est-à-dire en 45 minutes là, ce qui va se passer, en un jour seulement, ce qui va se passer là. Et même là, ils vont lire l'heure. Quand ils vont quitter dans ça là, Ils vont respecter les gens dans le pays là, au nom de Dieu. Mais même dans l'élection, nos frères sans qu'ils étaient dans le bureau de vote des pays bêtés, là, il faut demander, il faut te renseigner. Les 2 derniers doigts là, ils ont coupé les 2 derniers lois. Dans les bureaux de vote là, ceux qui étaient dans les villes, dans les pays, dans les villages bêtés là, on les a attrapés, ils ont coupé les 2 derniers doigts. Au nom de Dieu, dans le bureau de vote, hein. Wow. Non, là, c'était bon, okay. Non, c'était sûr. Voilà, Inch'Allah, la prochaine fois, le cas Gbagbo, là, c'est trop intéressant, on va monter. Parce qu'il faut que Gbagbo, là, il faut qu'à Damblata, là, le nom, pour lui, là, c'est bon comme ça, il n'a qu'à aller se reposer. D'accord, ok. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.